À 7h44, l'interview Vérité d'Europe 1, invité exceptionnel ce matin, Thomas, puisque vous recevez l'écrivain Salman Rushdie. Son nouveau roman, 2 ans, 8 mois et 28 nuits, vient de sortir chez Actes Sud. Depuis 1989, son nom est accolé à un mot, fatwa, cette condamnation à mort prononcée contre lui par l'ayatollah Khomeini, suite à la publication de son livre, jugé blasphématoire, Les versets sataniques. Bonjour Salman Rushdie. Je pense qu'il va falloir désassocier mon nom de ce mot. Vous êtes donc en France aujourd'hui, pays de la liberté, des droits de l'homme, mais pays où depuis quelques mois on vit avec la peur, où on peut mourir pour ses idées, ce qui arrive d'ailleurs à un des personnages de votre dernier roman, hein, Hugo Casterbridge, honni à cause de propos qu'il a tenus à la télévision. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur notre pays, sur la France, Salman Rushdie? Je pense que ce qui est en train de se passer en France est très triste. Malheureusement, ça ne se passe pas seulement en France, mais aujourd'hui, la France semble porter ce lourd fardeau du fanatisme. Et je ne peux qu'exprimer ma sympathie et recommander courage et résistance. Alors il y a le constat et puis on essaye de comprendre ce qui se passe, pourquoi certains hommes réagissent comme ça. Un autre personnage de votre livre, 2 ans, 8 mois et 28 nuits, Ghazali, le philosophe, vous faites dire « la peur pousse les hommes vers Dieu ». Mais de quoi ont-ils peur, Salman Rushdie ? L'idée de la peur comme motivateur n'est pas simplement islamique. On voit ça dans Machiavel déjà. Il y a un chapitre dans Le Prince de Machiavel où il considère s'il est préférable qu'un chef soit craint ou aimé. Et il s'est rendu compte que c'est mieux si on est craint, ça marche mieux. Mais les fous de Dieu, les djihadistes aujourd'hui, ce ne seraient que de grands peureux si on pousse l'analyse et l'analogie ? Je n'ai pas de théorie générale sur les djihadistes. Je pense que nous vivons à une époque où malheureusement il y a de plus en plus de fanatisme. C'est une grande surprise d'ailleurs pour moi parce que je viens d'une génération. Je suis un 68ard classique. J'avais 21 ans en 68. Et j'ai dû prendre une décision, passer mon dernier examen à l'université ou venir à Paris pour aller rejoindre les barricades. J'ai fini mon examen, désolé. Mais à ce moment, vous savez, il y a 50 ans, même pas, l'idée selon laquelle la religion allait devenir une force puissante était impensable, personne n'en parlait. Et donc en 50 ans, on a vu un changement. Vraiment un grand tournant et on peut espérer qu'au cours du prochain siècle, on retrouvera un changement. Ça veut dire qu'on a régressé depuis le 68 de Danny Cohn-Bendit à aujourd'hui ? Tout à fait, nous avons énormément régressé, oui. Et vous, Salman Rushdie, vous avez peur de quoi aujourd'hui ? Est-ce que vous avez peur d'abord ? Vous auriez toutes les raisons du monde d'avoir peur. I'm afraid of literary critics. Non, j'ai peur des critiques littéraires. C'est tout. Je n'ai même pas peur d'eux d'ailleurs. Parce que dompter sa peur, c'est aussi une façon de lutter contre les obscurantistes, de les rendre impuissants, leur dire j'ai pas peur. Le sujet change. Vous savez, pour moi, l'histoire s'est terminée il y a 18 ans. C'est pour cela que je continue à dire aux journalistes, il faut que vous me libériez. J'ai le droit d'être un écrivain qui ne parle pas que de la fatwa. Mais évidemment, on a besoin de votre éclairage peut-être pour nous rassurer, nous, aujourd'hui. Encore une question autour des versets, et après on passera à autre chose, promis. Il y a quelques semaines, vous avez dit, si je publiais les versets sataniques aujourd'hui, je ne serais pas soutenu comme je l'ai été à l'époque. On m'accuserait d'islamophobie et de racisme. Pourquoi ? La faute à qui ? La faute à quoi ? Vous savez, il y a eu un grand échec, un échec des convictions, à gauche comme à droite d'ailleurs. Aujourd'hui, on voit qu'on essaye d'apaiser le fanatisme au lieu de s'ériger contre, et je pense que c'est tout à fait regrettable. On apaise là où il faudrait éradiquer ? Il faudrait tenir ce front, vous savez, il y a ces valeurs, la liberté. Ce sont des valeurs qui ont été difficiles à acquérir. Cela a pris des siècles et des siècles et il faut aujourd'hui faire attention à ne pas les perdre. Mais cela signifie qu'il faut comprendre ce que sont ses ennemis. Il faut tenir le front.